This is the playground. The one they think they control. But when we create, they can't look away. They have to see. So I say, watch. This is me. Bumping low, pretty flocker with the prayer hands. I said it once and I'ma say it again. You roller coaster and niggas, man, I'm the closest to the greatest. That statement is daily debated. I'm slaughterhousing on the pavement. Tell Charlemagne that we just made it. You can't even catch on my cadence. Just cause you fade. Si je suis en train de bouffer un truc? Oh, pas du tout. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Street racing has no place on public roads. You are out there engaging in this type of activity. We will find you. There is no escape. I feel like I'm Goku. Look around. This is our escape. Falling, I feel like I'm Goku. Voilà. Alors, si je connais ce Need for Speed, absolument pas. Je le redoute autant que le Covid ou le choléra. Si je me suis renseigné préalablement, pas du tout. Et le but du jeu, c'est de me divertir. Ah, voilà, on y est. Est-ce qu'on peut aller dans les paramètres? Là, j'ai une bonne surprise. Oh, on va être bien, les amis. Et Monsieur K, malgré les apparences et ton prévoyant, qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a préparé une playlist. Let's go. Alors, je découvre avec vous hein, cette version de Hit, des Need for Speed. Je sais absolument pas à quoi m'attendre. Ça va être la surprise totale. On y va. C'est moi ou c'est juste moche cet écran? Bienvenue dans le monde de la course urbaine. Un milieu clandestin, fréquenté par des casse-cou et des fous de vitesse qui s'affranchissent de toutes les lois. Pour faire face à ce défi, le lieutenant Frank Mercer de la police de Palm City a pris le commandement d'une nouvelle unité spéciale anti-délinquance routière. Les courses clandestines n'ont pas leur place sur la voie publique. On s'accroche ! Bien, garde le pied au plancher. Bon, et toi, Richie ? Elle est dingue, cette course, Anna ! On savait qu'il plaisanterait pas. C'est la Ligue dont on parle, là. Allez, les gars, on peut le faire ! Je vais tout de suite tester le turbo, ça peut servir. Ok, ouvrez l'œil. On roule vers le centre-ville, ça peut se gâter. Pousse-toi, je passe. Hé, hey, on a de la compagnie à droite. Je rattrape le groupe, voyons ce qu'ils ont dans le ventre. Merde, je le connais ce flic. Ah, mignon. Je suis sérieux, ça craint! On a réussi un joli coup, c'est du gros gibier! Il va pas lâcher l'affaire, Anna! Ben nous non plus! Ouais, parle pour toi! Moi j'arrête! Comment ça? Richie, sérieux? Il nous lâche? Ouvre un crétin.
crois que tu vas nous distancer? Barrage déployé, ne te laisse pas ralentir. On passe à autre chose. Bonne idée. Alors, elle est pas mieux la musique à Monsieur K? Presque cool. Les gars, on va pas y arriver. Y'a pas un barbu dans votre putain de team de mongoloïdes? Oh purée. Oui, Monsieur K qui démarre un stream sera engueulé. C'est pas un stream de Monsieur K. Allez Magnum, on y va. Petit bonhomme. Oh là non, ça c'est un bateau. Ça aussi c'est un bateau. Mais c'est plus rigolo. Ça c'est un bateau mais jamais conduit. Ça c'est un bateau mais c'est très puissant. Non. Voilà, on va prendre le bateau qui ira bien. Spécial dédicace à un tipeur en particulier qui se reconnaîtra sans la moindre difficulté. Ok, on va où? Tu as le choix entre deux courses. Prends celle du centre-ville si tu aimes les longues courbes et celle d'Eden Shores si tu préfères le virage sec. Fais ton choix, trace un itinéraire sur la carte. Vas-y tranquille, amène cette voiture sur l'aire de départ. On a seul morceau. Bon, Nice est fort, tu t'es reconnu? Ah bah oui, une BM. Je pensais à toi, forcément. Fait, là. T'étais pilote? Non, mon père l'était. Roberto Rivera, monsieur prop. Cette Camaro jeune de 67. C'est lui qui l'a retapé. Et il a tout gagné avec. Avec le garage. Mais t'es bon? Qu'est-ce que tout le monde dit? Le showdown, ça pèse lourd ici, non? Me plains pas, c'est bon pour les affaires. Si tu pilotes, ah oui, c'est vrai que ça tourne pas des mains, ça. Ça, j'aurais rien contre. Ah, t'es comme tout le monde. Alors, le degré de réalisme de la conduite, c'est pas le mien, quoi. C'est très années 90, on va dire. Que je vous garantis que pour faire ressentir l'inertie d'une BM, on y va plus franchement quand même. Je vous laisse la musique hein, telle qu'elle est. C'est en mode random, mais rap tout. Ou presque. Ce jeu est sorti dans les années 90, mais en fait ils ont fait la release en 2019, c'est ça? Je comprends pas. Le rendu, j'ai rarement vu un rendu aussi moche depuis les trois dernières années, quoi. Aïe. On ira dans les options juste après, mais regardez les ombres des véhicules. Déjà, c'est à se pisser dessus, quoi. J'avais ça sur un 486 DX, les mecs. Ah ouais, c'est fait pour drifter, hein. C'est, vous faites des petites touchettes du frein dans les virages quand ça tourne trop. Et vous attendez que ça parte du cul, et après vous continuez d'accélérer tranquille. Viens me chercher. Le problème étant que Monsieur K est très trajectoire karting. C'est-à-dire le but c'est de pas déraper pour pas perdre de la vitesse justement. C'est ça, ne te laisse pas bousculer. Oh, ça va pas terrible me plaire. Non, je le dis franchement, je le sens pas. Tu lâches rien, toi. Beaucoup trop de drift pour être sincère. Jusqu'au bout. Et voilà comment on gagne. C'est la faute à la voiture. Ça, c'est
C'est Berk ? La voiture tient bien le pavé. Mais regardez, même GTA avait un meilleur rendu sur la PS3. Vu tout ce que t'as gagné, à ta place, j'achèterai un kit nitro. Donc voilà ce qui me chagrine, en particulier dans ces jeux de 2015-2020, qui sont pas capables de réaliser que... chose qu'on avait réalisée à l'époque de la PS3, hein, je rappelle. Ce qui est dans le fond, c'est flou. Oui, vous voyez la même chose que moi. C'est triste, hein. Mais ouais, j'adorerais quand même qu'on revienne aux racines du jeu de course. Qui est pas juste un jeu de petit bourgeois qui veut se la péter grâce à la thune, mais un jeu de skill quand même à la base. Comment ça on n'entend rien à cause de la musique? Un jeu de style, pas de skill. Et j'apprécierais vraiment énormément. C'est-à-dire, vous conduisez même à la limite des poubelles. Mais vous les conduisez avec classe. Parce qu'en arrière-plan, quand même, mine de rien, et alors ça fait un petit peu parole de vieux con, et tous ces jeux où on fait des concours de grosses tubs, bah voilà, c'est des concours de grosses tubs. C'est d'avoir la plus grosse que celle de son voisin, même si c'est pas mérité, même si c'est uniquement le matériel qui fait tout. Et c'est un machin, ça fait 10-15 ans que ça traîne dans le jeu vidéo. C'est une mentalité qui s'est développée autour de ça, c'est pour ça qu'on a autant de trolls et d'abrutis qui savent pas jouer ensemble et qui ignorent tout du terme s'amuser. Et ouais, faudrait qu'on revienne aux bases et qu'en arrière-plan, sans faire la morale, on insuffle des valeurs qui sont un petit peu moins connes que tout ce qu'on voit avec ces concours de tub. Qui franchement, une fois passé les années collège, ont plus grosse importance, hein, si on est honnête. Moi, ça m'exaspère un poil. Et c'est valable pour les jeux de bagnole, mais c'est valable aussi pour beaucoup d'autres jeux, beaucoup d'autres styles. Casse-toi, espèce de con qui compte même pas. Bon, c'est vrai que niveau accélération, ma BM, c'est pas ça. Mais une fois que je suis lancé, je suis un missile. Ah, à l'arrivée, c'est là, je me suis fait ken en beauté. And then, qu'est-ce qui se passe? Ah, y'a plus rien après. Ok, j'ai dû rater un truc. Échec, c'est moi. Vous savez quoi les amis, on va sortir de ce jeu puisque ce serait moi. Ce Need for Speed, je l'appellerai comment? Je l'appellerai quoi? Je l'appellerai Need for Speed, Giton Edition. Parce que sérieux, j'ai rien vu que je n'ai pas vu il y a 20 ans déjà, franchement. Ce jeu mériterait une 3D fixe. Ça, je l'ai dit. Bon, alors il y avait ça qui me chagrinait. Et l'autre chose qui me chagrinait, je vous en ai parlé tout de suite, c'est l'histoire du frein à main magique. Pour rappel, ce frein à main a la particularité de faire que vous arrivez à 200 km/h au bout d'une ligne droite où il y a un angle droit. Vous mettez, si ça tourne à gauche, un coup de volant à gauche et un coup de frein à main, et vous repartez pile dans le bon axe. Magique! Et ça, franchement, dans un jeu de caisse qui se veut un minimum réaliste, malgré le côté arcade, c'est une chose, ça choque. Oh, je suis dégueulé. Voiture, course, pièce. Tu veux savoir pourquoi on vient tous les soirs? Non. Voilà ta réponse. Il paraît que Lucas a failli en faire partie avant de tout arrêter. C'est tout lui, ça. Non mais t'es un script, c'est un objet qui est sur ton passage, tu comprends pas ce qu'il faut faire. Attends, non, je t'empêche. Merde, partons avant que les flics se pointent. Je t'envoie les coordonnées de quelques plantes qui pourront servir s'il faut se faire oublier quelque temps. Je file dans l'une d'elles à Eden Shores pour monter la vidéo de tes exploits. Dommage,
Ah mais je vais te faire chier jusqu'au bout. Si tu veux disputer d'autres courses, c'est à toi de voir. Le jeu va planter. Juste une chose. Si ça chauffe, évite de te faire arrêter. Ça n'aide pas à se faire un nom. Je l'énerve, je crois que je l'énerve. Ah, elle va m'aimer, je suis sûr. À bientôt, Anna. Ça va super bien, Ecstasic. Continuez ou mettre fin à la nuit. Rendez-vous sur une épreuve pour continuer ou aller à la planque pour mettre fin à la nuit. Vous me connaissez, je vais aller sur une épreuve et je vais continuer de pourrir ce jeu allègrement. Pourquoi tant de méchanceté? Bah, il a beau avoir un rendu graphique, la pluie est super bien foutue. Hein. Et c'est ça que je voulais trouver quand même comme qualité au jeu. C'est le monde est détaillé, le rendu est pas dégueulasse. Mais entre nous, pourquoi j'ai rien fait, mec? Je conduis à 2 à l'heure, tu viens de casser les balls? Sérieux, j'ai même pas de micro. Comment je vais faire pour les bourder? Où ça? C'est pas. Ah ouais. On se rappelle. Désolé, j'avais pas vu. Je vais me balader un peu. Enfin, je vais surtout balader les crétins à gyrophares juste derrière. Parce que... Non, t'es là. Non. Ça passe ici? Ah ouais. Attention là. Il n'y prend rien là. Plus il a peur. Je n'aime pas quand on tourne comme ça. Alors, comment je vais semer ces couillons de flics? Vu que je connais absolument pas la map. Je sais pas si c'est le sol ou pas. Si c'est le sol, ils ont une barbe de costaud. Je confirme, collègue en collision avec le véhicule suspect. Oh, c'est nouveau, c'était bien. Pas encore l'ennemi public numéro 1. Ces voitures de police sont assez simples à semer en ligne droite. Bah oui, mais moi j'aime bien faire des virages sur les pistes. La conduite, c'est ça dans la vie, hein, faire des virages. Vas-y, d'être passé par là. Le conducteur a disparu pour 100 000. Oui, j'ai disparu. Et disparu, ça fait beaucoup. Allez, c'est plus que d'un déjà. Alors, comment ça se passe? Évite de me faire attendre trop longtemps. Tout bien, et il me colle l'autre derrière. Et du coup, je suis à perpète de l'endroit où je voulais. Allez. Alors, c'est bien de perdre du temps, mais... Ne serait-ce pas rajouter artificiellement à la durée de vie de ce pauvre jeu? Je me pose la question. Yay. Retourner le game. J'envoie mon CV pour postuler pour faire un nouveau mec qui dit ça. It's all in the game. It's the big game, Honsky, man. Yeah, fuck yeah. Let's go. Hop là. Moi, je suis garé, je roule même pas, mec. Oh là là. Alors, les poursuites sans raison comme ça aussi, c'est d'une débilité. On a repris la poursuite de tout à l'heure. Maintenant, on en finit. On se croirait vraiment au Macroni, quoi. Le délit de faciès à son paroxysme. Non, je vais pas là. Je vais là. Non, je vais pas là. Ah, je vais là. Ah, je vais être chiant. Hein. C'est le but du jeu. Ah, je vais là. Je vais se mettre en ligne droite. Ok. Ligne droite, c'est parti. Je vais m'éloigner de la planque. Je recharge un turbo imaginaire. Ou un nitro imaginaire. Ouh, un joli saut là. J'ai l'impression d'ouvrir la voie pour une ambulance. Place. Sur... Wouhou! Personne ne peut venir dans l'immédiat. Il lâche pas le mec. Hein. Ce jeu est con, mais sérieusement con, quoi. On va faire pareil, mais dans l'autre sens, bonhomme, rien. C'est pas encore l'ennemi public numéro 1. Ces voitures de police sont assez simples à semer en ligne droite. Ouais, ça c'est la théorie.
Ouh, je l'ai senti celui-là. Je pourrais avoir la petite touche magique qui fait psss et le compteur avec lui s'envole. Musique, s'il vous plaît. Ah, je savais. Allez, on va faire le kéké. Installons cette nitro. Donc depuis 2005, tristement Need for Speed est devenu un jeu où tu passes un tiers du temps de ta partie dans des garages à customiser une caisse, alors que toi t'étais là quand même pour faire couiner des pneus sur du bitume à la base. Alors, du coup. Pas en or, ni en carbone, ni en calcaire. Restez, connard. Je pensais une même suspecte tout à l'heure. Le mec qui avait la M3, ah, je l'ai vu passer, il a dû tourner au bout à droite là, il me semble. Si je peux, ouais, c'est rien. J'ai un peu tout qui m'arrive. Regardez-moi ça, ils sont béton armé ces mecs-là. Hey, comment ça va? Je lui fais rien, ça s'affole à la radio. Il y en a un qui cherche à énerver les flics. C'est déjà l'arrivée en plus, mais c'est pathétique. Et donc maintenant tu passes ton temps à semer les flics. Ok. Je sais pas quoi. Je sais plus quoi dire sur ce jeu. Je m'étire et sur ce, je vais me faire un café et passer à un autre titre. Qui sera tout sauf Need for Speed Heat. Désolé, j'aurais tout fait, j'aurais joué quand même plusieurs heures pour voir ce que ça donne et no way les amis, ce jeu est triste. Alors il est peut-être bien pour un môme de 8-12 ans, voilà, pour un môme de 8-12 ans, si vous avez 12 ans et demi, méfiez-vous, si vous avez 13 ans c'est foutu quoi. Tu s'exiges. On regardera dans un autre épisode. Je vais quand même lui donner encore une chance, mais j'ai aucun doute que ce jeu, à part m'ennuyer, fera pas grand chose d'autre. À suivre. Prochainement dans TBG.